la cité. Kim Tim Tim Go Bicycle. Yo, I go Bicycle. Kim Tim Tim Go Bicycle. Yo, I go Bicycle. Tim 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 Go Bicycle. Yo, I go Bicycle. Tim 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 Go Bicycle. Yo, I go Bicycle. Kim Tim Tim Go Bicycle. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo spéciale. C'est une vidéo où je dois me préparer en 10 secondes. 10 secondes, je suis ouf. En 10 minutes, ça va être dur parce que je pense que on me connaît toutes, vous me connaissez toutes. Je suis une fille qui prend énormément de temps à me préparer, c'est-à-dire que quand vraiment je veux vraiment faire les choses bien, prendre mon temps, je peux prendre 3 à 4 heures pour me préparer. Je prends vraiment énormément de temps. Ça va être un challenge assez dur pour moi de le relever. Mais avant ça, la vidéo est sponsorisée par ICR. Donc j'ai pris des mèches bouclées que je porte dans la présente vidéo que vous pouvez voir, où je l'installe, comme ça vous avez plus d'avis sur le cheveu parce que j'en parle plus longtemps. C'est du coup du 26 pouces que j'ai pris. Franchement la tulle elle est cool, j'ai rien à dire sur la tulle. Elle est facile à coller, elle est assez transparente. C'est juste de la poudre avant. Tulle, concernant la tulle, moi j'ai rien à vous dire, elle est top. Les cheveux sont top, c'est des mèches bouclées donc forcément on perd un peu de cheveux. Mais ça m'a l'air d'aller. Pour avoir cet effet un peu mouillé, coiffé façon, j'ai juste mis de l'eau avec un peu de mousse wrap. Et j'ai séché à l'air frais, vous savez, le sèche-cheveux côté air froid. Donc voilà pour les cheveux. Je pense qu'on peut passer au sujet de la vidéo. Donc je vais me munir de mon téléphone. C'est ce qui va faire mon petit minuteur. J'ai très très peur parce que 10 minutes ça va être horrible. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer un peu le make-up que je dois prendre, enfin que je dois mettre. Donc ma crème de jour, peut-être ma Huda, je sais pas, mon teint, ma base, mascara, crayon à sourcils. En fait, ce qui va être dur, c'est les sourcils, en fait. J'ai peur pour ma vie, les gars. J'ai trop peur. Je pense pas que ça va être faisable, hein, ce truc. Hein. Je prépare tout sur la table. Comme ça, j'ai pas besoin de chercher, je perds pas de temps. Parce que là, faut être organisé pour ce maquillage. Hein. J'ai peur. Je crois que j'ai même pas le temps de mettre de l'eyeliner. J'aurai jamais le temps. Ce sera pas d'eyeliner, ce sera que des faux cils. Oh là là, les gars, c'est pas possible ce que je suis en train de faire. Donc je vais me munir de mon petit miroir. C'est parti. J'ai trop peur. Go. Donc je commence par mettre ma base, les gars. Très important. Oh non, faut que je fasse vite. Putain, j'ai peur. Donc je vais appliquer ma base. Voilà. Putain, mes sourcils, mais comment je vais faire? La base, elle est appliquée. Je vais mettre d'abord le fond de teint parce que j'ai pas le temps de faire les sourcils. Donc, fond de teint, on y va. Pour ma vie, les gars. Oh, j'y arrive pas. C'est que avant, j'étais une fille, je me maquillais archi vite, quoi. Putain, il reste combien de temps sur le chrono? J'ai trop peur. 8 minutes 40. Oh là là, 8 minutes 40. 8 minutes 40. Mais c'est peu. Ouais, sur 8 minutes 40, je te fais mes sourcils, moi. Regarde, je t'ai coloré tous mes sourcils. Ok, pour le teint, c'est bon. Maintenant, je vais juste le blender. À quoi je vais ressembler à la fin? À quoi je vais ressembler? Je vais faire mes sourcils. Mes sourcils. Oh non, j'ai trop peur. Oh, comment je vais m'en sortir? Il reste combien de temps? J'ai trop peur. 7 minutes. 7 minutes. 7 minutes. Ok. Je vais. Oh non, mon pinceau. Je vais corriger. Bref, vous comprenez, vous savez déjà. Oh non, putain, j'ai peur. Oh là 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 là. Je vais jamais réussir, ça va me prendre. Oh, il reste 5 minutes. Dans 5 minutes, je peux rien faire, les gars. 5 minutes, je peux rien faire. Oh mon dieu. Je vais estomper le plus vite possible. Oh là là. Oh non, mais je fais n'importe quoi. Ok, ok, on s'en fout. On estompe. Ok, donc là je vais faire mon contouring, je m'en fous, je vais l'estomper, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Je vais l'estomper à la fin. Ok, je vais mettre ma pousse Huda Beauty sur la zone T. Maman. Ok, là je vais venir l'enlever et moi j'enlève tout
toujours avec ma poudre de chez MAC pour pas qu'il y ait trop de traces. Donc hop, on va l'enlever. Ok, j'ai pas le temps de faire le contouring à la crème, donc je vais le faire à la poudre directement. Donc je prends ma poudre de chez Makeup Forever. Et c'est parti. J'ose même pas regarder le chrono, je vous jure. Attends, il doit me rester 2 minutes. Ok, il me reste combien de temps? Pour savoir, je peux faire quoi? Il me reste combien de temps? Vite. 2 minutes. 2 minutes. Qu'est-ce que je fais? Ok. Highlighter. C'est important, l'highlighter. Je mets sur mon nez, sur l'arrêt de mon nez, ici, voilà, ici. Ok, je vais en mettre sous mon sourcil. Ok, j'ai même pas le temps de mettre des faux cils. Oh, un make-up possible, c'est pas un make-up pour moi. Je vais essayer de mettre des faux cils, c'est possible, tout est possible à celui qui croit, j'y crois, c'est possible. Ok, j'applique la colle. Hop, je vais faire le contour de mes lèvres. Mon blush, je sais pas où il est. Je prends du Julie Carmex, la vélo. Je suis perdue. Ah, c'est ça que je voulais faire. Voilà. J'ai fixé le maquillage. Donc, il reste 25 secondes. 25. Hop. Combien de temps il reste? 9 secondes. Bon, je peux pas faire ça. C'est fini. J'ai terminé. Bon, mais mes fossiles, ils sont même pas collés, les gars. Ils tombent, wesh. Oh non, je le remets correctement quand même, laissez-moi. Je pensais pas que ça allait être... C'est compliqué, mais en fait je pense que si j'aurais eu 15 minutes, je pense que j'aurais pu tout faire. J'aurais pu faire le contour, mon contour et tout. Je pense que j'aurais pu faire un truc simple et bien. Parce que là, en 10 minutes, c'est trop petit, c'est trop short pour moi, je pouvais pas. Mais franchement, ça va. Franchement, pour 10 minutes, c'est réussi. Je pense qu'en 10 minutes, si genre je devais aller au travail et tout, j'ai ce make-up, je suis bien. Il n'y a pas de démarcation, je suis pas trop maquillée, je suis pas, tu vois. Genre tout est bien fait. J'ai pas trouvé de gloss, donc j'ai mis du Labello, mais ça fait très bien l'affaire. Les sourcils, je pensais, voilà, je pense. Maintenant, je vais les faire, je préfère après le teint. Je trouve que ça va te faire mieux, un meilleur rendu. Donc, je pense que maintenant, ça va être ma nouvelle alternative. Les faux cils, je pense que c'est un peu trop short pour les mettre en faisant un maquillage de 10 minutes. Donc, voilà, essayez de faire ce challenge chez vous et dites-moi si vous avez réussi. Donc, voilà, challenge relevé. J'ai kiffé tourner cette vidéo, donc n'hésitez pas à laisser à liker, commenter, partager. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, kissons!